Je m'appelle Véronique Le Costumaire. J'habite à Saint-Denis depuis très longtemps, plus d'une trentaine d'années. Je travaille par ailleurs au Journal de Saint-Denis depuis un peu moins longtemps, 1994, bien que ça commence à faire un petit moment encore. Le Journal de Saint-Denis, rue de la République, pour les Dionysiens, c'est très évocateur. C'est une rue où il y a une activité extrêmement dense. Et même s'il y a des aspects agréables, il y a des aspects qui le sont moins. Et cette densité me dérange parfois. Et moi, quand je rentre chez moi, je prends mes aiguilles et je tricote. Par un mouvement que je ne m'explique pas, ça me fait oublier toute une série de choses qui galopent dans la tête. Je tricote une heure, deux heures par soir, mais pas forcément tous les soirs. Et avec le plaisir de me faire un pull à moi, mais aussi le plaisir de faire un pull à d'autres, à des amis, à des bébés à venir, à toutes sortes d'ouvrages qui finissent par être partagés. Mais c'est surtout ce temps-là qui compte. Cette espèce de parenthèse avec cette ville trépidante, cette ville bruyante, cette ville accaparante, où moi, je me retrouve, moi, avec une activité qui me permet de me reposer, délasser, vider l'esprit un peu aussi.